Grande figure de l'art africain sur notre plateau, c'est l'invité de la page culture, Wale Wale Li King. Rebonsoir et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir à cette page culture. C'est en 1968 que vous écrivez la première chanson et c'est en langue bassa. Et bien avant, on va le dire, la carrière commence parce que vous êtes initié à cette belle culture du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que Wale Wale Li King était prédestiné à l'art? Oui, je pense. Mais c'est surtout les rencontres. Les rencontres sont très importantes dans la vie. Il y a des gens que vous rencontrez et qui voient mieux que vous-même ce que ce dont vous êtes capable, alors même que vous n'êtes pas encore conscient. Vous avez été initié par votre grand-mère. C'était quoi? À la chanson, à la poésie, à l'écriture? Ma grand-mère était une chanteuse du Mbé. Le Mbé, c'est le chant des Genèses. C'est chanté par les femmes. Elles chantent l'origine des événements, pas les événements eux-mêmes, mais leur cause. D'accord, alors on va continuer l'interview. Et ce qui a d'ailleurs valu cette belle carrière qu'on connaît, vous avez une bibliographie très riche. Et la dernière œuvre qu'on va regarder tout à l'heure, c'est Wale Wale Li King, l'éternel reine, 50 ans de peinture et de poésie. C'est Franck Kouadio qui nous en parle. On regarde et on se retrouve juste après. Dans le macrocosme culturel ivoirien, son nom fait office de référence. Wale Wale Li King, Niépo, elle constitue à elle seule un panel d'expériences, littérature, art plastique et art du spectacle, stylisme, mais sa dernière proposition littéraire va s'attarder sur deux de ses principales inclinaisons, la poésie qu'elle débute dans les années 60 et la peinture. Un catalogue alors, Wale Wale Li King, l'éternelle reine, 50 ans de peinture et de poésie. À l'entame, son premier texte, écrit en 1968 et en épilogue, un poème « Je peux ». Sur la force de la volonté, écrit le 25 juin 2019. Des textes poétiques saupoudrés d'images picturales colorées et plaqués à propos sur le papier glacé. 349 pages d'aventure littéraire, mais pas de quoi s'ennuyer, tant l'artiste passe allègrement du texte à l'image sans artifice, avec toujours l'illustration juste. 50 ans de poésie et de peinture, c'est aussi des témoignages, et comme l'exige le savoir-vivre africain, des hommages et des mots de remerciement envers ceux qui ont, durant son parcours, contribué à ce partage du savoir. Le partage, justement, à la réalité, c'est le sens de la démarche de Wale Wale à travers la trentaine de productions littéraires qui jalonnent son parcours. Elle qui, du 7 au 9 avril dernier, a été l'épicentre d'un colloque sur son activisme artistique. Wale Wale Li King, Niépo, est membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. À la lecture de ce recueil de peinture et de poésie, on note tout de suite la quasi-présence de la femme. Pourquoi a-t-elle cette place prépondérante dans cet ouvrage? Oh, mais je suppose que c'est parce que je suis une femme. Mais ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il y a des hommes qui consacrent leur œuvre aux femmes et des femmes qui consacrent leur œuvre aux hommes. Mais c'est juste que, mettons que je trouve que la femme a beaucoup de responsabilités. Et surtout, nous, en Afrique, les femmes africaines sont vraiment exceptionnelles et je pense qu'elles méritent qu'on se penche sur davantage les aspects de leur vie. Et pour illustrer justement ce que nous venons de dire, il y a cette image de la mère polycéphale à la page 12 avec un texte poétique. Vous parlez même de l'immortalité de la femme. Pourquoi vous avez cette tendance à la déifier? Parce que quand on a l'approche judéo-chrétienne de la divinité, je pense que c'est un peu compliqué. Il faut penser que Dieu puisse être plutôt une femme, parce qu'il n'y a que les femmes pour avoir autant de patience et autant de don de leur propre vie à la vie en général et à la vie qu'elles portent. Est-ce qu'aujourd'hui, la condition de la femme n'a pas évolué, selon vous? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Si. Ça évolue, Dieu merci. Ça évolue. Le plus important, c'est que la femme elle-même évolue dans la manière de se percevoir.
C'est le plus important pour moi. Et dans l'exercice de cet art pluriel, Wale Wale dit King Pin et dit le noir, une affirmation de son identité. Est-ce que cela affirme également votre engagement pour le panafricanisme? Oui, mon souhait est vraiment qu'il y ait une grande Afrique qui soit plus forte, qui soit plus viable pour sa jeunesse et pour ses créateurs. Et vous n'avez pas manqué d'évoquer, en tout cas dans cet ouvrage, toutes les crises ivoiriennes. Vous êtes allé même chercher ses origines dans les années du miracle ivoirien, les crises de 90, 95, 99, etc. Et il y a 17 tableaux que vous avez consacrés à la situation ivoirienne, peut-être pour dire, mesdames, messieurs, ça suffit avec les conflits en Côte d'Ivoire? Oui, je crois que c'est ça. J'ai dit que la crise ivoirienne date du moment où on a parlé de miracle ivoirien, là où ce n'était pas un miracle, c'était une conception, c'était une vision d'un homme qui a su rassembler, amener l'union, la discipline et le travail qui font partie de notre devise. Et je pense que quand on applique ces trois choses, il n'y a pas de miracle, c'est le résultat escompté, le résultat logique. Mais quand on a pensé que c'était un miracle, vous savez, le miracle, ça ne dépend pas toujours de nous. Et quand vous n'êtes pas responsable de vos échecs comme de vos succès, eh bien, le miracle il disparaît aussi comme il est venu et après, on se retrouve avec des non-valeurs. Et aujourd'hui, vous avez des solutions que vous proposez, surtout dans cet ouvrage? C'est trop de prétention. Non, j'ai un regard alternatif. J'essaye de regarder les choses sous divers angles et que ce ne soit pas seulement monolithique, la vision du monde. Je pense que nos cultures sont suffisamment riches et permettent de pouvoir regarder les choses sous divers angles. Et si on applique nos propres règles, si on respecte nos propres totems, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Et quand on s'en sort, on a la cité fantastique que vous avez évoquée dans votre ouvrage, surtout pour que les enfants grandissent dans de meilleures conditions. Mais vous avez surtout mis l'accent sur toute cette bibliographie qui est très, très riche. Ces pièces de théâtre, ces livres, ces essais, ces peintures. Comment on fait pour jouer à succès autant de cordes à son arc? Ma vocation de formatrice, c'est parce que j'ai consacré vraiment ma vie à la formation de la jeunesse. Et donc, mon système de formation veut d'abord regarder chaque individu selon son potentiel, selon ses prédispositions et selon ses engagements, selon ses passions. Donc, à partir de ce moment, il faut être capable d'accompagner ces personnes dans leur propre accomplissement. Donc, je pense que ça m'a obligée à essayer de me donner les moyens d'accompagner les jeunes qui se sont confiés à moi. Alors, il y a cette dernière question. Que retenir comme enseignement de cette longévité artistique que Wale Wale King a? J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui veulent avoir cette riche carrière. Ah, mais je pense que c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens tout le temps à cela. Tout est dans notre... Nous avons une très belle devise, nous avons une très belle hymne. Si on s'accroche à nos valeurs, je pense que vraiment on devrait pouvoir s'en sortir autant que possible. Merci Wale Wale Ali King, l'invité de la page culture, auteur du recueil L'éternel règne, 50 ans de peinture et de poésie. Merci d'être passé sur notre page culture aujourd'hui à cette édition de 20h.
C'est moi qui vous remercie. Et c'est une œuvre publiée aux éditions Tabalard dans une quête poétique sur la femme, la paix, le développement que l'auteur exprime à travers ses tableaux et écrits un demi-siècle durant 349 pages pour que les mots et les images se rencontrent et chantent en chœur la dimension plurielle, l'intarissable Warewareli King. Je vous invite juste à la lecture pour que la reine reste éternelle. Warewareli King qui dit dans cet ouvrage que chacun s'abstienne toute cotisation aux tontines de la haine pour que fredonne ensemble la mélodie de l'amour. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Merci.